Hey Moninga, bienvenue dans le deuxième épisode de ma série qui vous transporte dans le quotidien des Congolais en passant une journée avec eux. Dans cet épisode, nous rencontrons Maître Daniel qui est un fabricant de marmites en aluminium. Ces marmites sont très utilisées dans les ménages africains, mais savez-vous comment on les fabrique? Cette vidéo est sponsorisée par Lorena Biomed. Je vous en parle plus tard dans la vidéo. Si vous êtes nouveau ici, bonjour, je m'appelle Tam et je fais des vidéos sur la vie au Congo. Abonnez-vous et likez cette vidéo si vous aimez ce type de contenu. C'est parti, on va rencontrer le propriétaire de cet endroit. Moi, je suis le chef d'atelier, je m'appelle Daniel. Si j'ai des élèves, des fois, moi, je suis à l'hôpital, les amis là restent avec l'atelier. À l'hôpital, moi, je suis un infirmier. Mais en ce moment-là, je suis libre, donc je suis venu ici. Ce métier-là, c'est pas un métier que j'ai pris comme ça à la volée. Côté maternel, on fabriquait des marmites. Pendant les vacances, on faisait ça jusqu'au nord que moi aussi j'ai mon atelier. L'atelier de Maître Daniel se trouve dans l'arrondissement de Makelele à Mukonzi Ngwaka, pas loin du centre sportif de Makelele. Ça fait déjà 10 ans qu'il a aménagé son atelier ici. Allons donc assister à la fabrication des marmites. La première étape, c'est le moulage qui consiste à faire des moules à l'aide des maquettes. Ça, ce sont des maquettes. Si vous avez besoin d'une marmite comme ça, c'est à base de ça, on va vous faire ça. Nous avons beaucoup de qualités de marmites. Ça, c'est, on appelle ça 26. On appelle ça Ardor. Lui, il s'appelle Maître Tupac, le mouleur. Ça, c'est le sable de moulage qui est un mélange de sable, d'argile et d'eau. Il commence par faire un lit de sable qui sera la partie inférieure du moule. Ensuite, à l'aide de la maquette, il va faire son premier moule. Le moulage est une étape importante dans le processus, car il va déterminer la qualité des marmites. Le poussière là, c'est pour séparer entre la deuxième partie. Et si tu ne mets pas la poudre là, ça va coller. Ça, on appelle ça le coulé pour faciliter le trou pour verser l'aluminium. L'aluminium va rentrer par ce trou là. Ici, il est en train de réaliser les repères qui lui permettront de repositionner le moule au bon endroit. Si cette étape n'est pas réussie, la marmite peut avoir des trous et être inutilisable. Maître Tupac va répéter ce processus jusqu'à avoir le nombre de marmites souhaité. Le moulage lui a pris une heure. Lui, c'est Maître Félix. Il s'occupera de la fonte de l'aluminium. Cette étape est souvent faite simultanément au moulage. Ça, c'est la forge. Donc, il va tourner. Il y a des forges électriques, il y a des forges, il n'y a pas de courant, donc vous serez pénalisé. Mais j'ai des forges électriques. Même moi, j'utilise souvent ça. Pour fabriquer les marmites, il recycle l'aluminium des pièces détachées de voitures comme des jantes ou des morceaux de boîtes de vitesse. Ils utilisent également un aluminium pur qu'ils retrouvent dans les déchets des cadres des baies vitrées. Cet aluminium doit être mélangé à celui des pièces détachées de voitures. Vous trouvez ça où? Et les aluminiums, on peut passer dans le garage ou bien là où on voit de ferraille, le kilo soit de 500 ou bien 450. Bon, les baies vitrées là, on passe dans des ateliers de baies vitrées. Ce sont des déchets. On peut vous dire, donnez-nous soit un 30 000, le sac de bande verte. Mais sinon, nous n'avons pas de magasin fixe pour aller payer les aluminiums là. Pour faire fondre l'aluminium, ils utilisent des tonneaux qui viennent du recyclage des bouteilles de gaz ou des bouteilles de diesel. Il va forger là-bas. Le vent là, ça arrive ici. Après, vous aurez le feu qui va allumer. Au fur et à mesure, il faut ajouter le charbon. Alors, si tu ne mets pas le charbon, le tonneau là va pas se gaspiller. Faut être prudent. Hey Moninga, je m'imagine même pas le mec qui est derrière, ce qu'il doit ressentir en ce moment, tellement c'est chaud. Moi, j'ai trop peur que la tôle la saute. Il y a juste un truc suspect là. Je suis prête à tailler la zone. L'étape de la fonte de l'aluminium est la plus longue et dépend de la quantité à faire fondre. Dans notre cas, ça a pris 2 heures. Faut pas trop se rapprocher parce que ça fait vraiment mal aux yeux. Maître Daniel et ses élèves n'utilisent aucune protection particulière et expliquent qu'ils sont déjà habitués et font juste attention.
Avant de découvrir l'étape 3, je voulais vous parler de notre sponsor pour cette vidéo. Lorena Biomed est une entreprise qui propose des ambulances médicales pour tous vos déplacements vers les centres de santé. Les ambulances sont équipées de tout le nécessaire ainsi que d'une équipe formée, jeune et dynamique pour que votre transport se fasse dans de bonnes conditions. Disponibles de jour comme de nuit, vous pouvez les appeler au 04 070 05 08. Pour plus de détails, cliquez sur le lien disponible dans la description. Repartant dans l'atelier pour assister à la troisième étape. La troisième étape, c'est le coulage, qui consiste à verser l'aluminium dans les caisses. Pour savoir si l'aluminium est prêt à être coulé, il faut que la température dépasse les 600 degrés et devienne rouge. Quand nous allons verser l'aluminium ici, vous verrez qu'ici se remplit. Il va encore renverser dans l'autre caisse. Au fur et à mesure, l'aluminium va suivre la circonférence de chaque modèle. Si c'est le couvercle, si c'est la marmite, n'importe quelle pièce. Et puis regarde comment ça boue. C'est le magma. Oh, ça s'est renversé. Et quand ça fait comme ça, c'est pas grave. Là, je dois mettre de l'eau pour que la caisse ne puisse pas se brûler. C'est quand même très chaud. Là, si tu mets ta main dedans, là, tu seras réduit en poussière sur place. Après 5 minutes d'attente, c'est parti pour le démoulage. C'est très très chaud, hein. J'ai transpiré sur place. La classe là, on appelle ça le coulé. Parce que nous allons élever comme l'homme à l'ambili. Dès la naissance, on coupe, non? Il y aura une partie, on va couper. Après, on va récupérer aussi la partie là, on peut reprendre ça encore. On ne peut pas jeter. Donc, chaque marmite, il faut avoir une signe comme ça. C'est là où on fait rentrer l'aluminium. Il met de l'eau pour refroidir le sable de moulage qu'ils vont réutiliser pour faire d'autres marmites. Mais il y a des gens qui disent que les marmites de cocotte, ça rend la maladie. C'est archi faux. Je suis un agent de la santé. Ce qui rend des marmites que ça donne la maladie, ce sont des assaisonnements chimiques. Aujourd'hui, vous allez prendre le bicarbonate, le cuivre, tous les assaisonnements chimiques que vous connaissez. Vous mettez dans une seule marmite, ça va former un corps toxique. Et c'est pourquoi vous voyez que beaucoup de gens tombent aux maladies, surtout ulcères gastriques. Lui, c'est Maître Derlich. Il va s'occuper du limage. Ils ont fabriqué cette machine eux-mêmes et ont utilisé des pièces détachées de voitures qu'ils ont soudées. Avec la technologie aussi, vous pouvez avoir des machines comme ça, c'est électrique. Mais nous, on n'est pas confiance souvent avec le courant. Vous venez travailler manuellement. Ça, c'est la lime. Je tiens ça et je vais appuyer fort. Là, je suis en train de limer. Ensuite, il va prendre le savon et il va mettre dans toute la marmite. Puis il va lisser la marmite avec du grillage qu'il a mouillé. Et enfin, il va nettoyer la marmite avec une éponge. Et voilà le résultat, la marmite est toute lisse et maintenant il faut lisser l'arrière de la marmite. Sur une journée, je peux limer même 15 marmites, complet avec les poubelles. Donc toute la journée, je suis là assis de tourner. À partir de 17h, je dois tourner. Il peut arriver que certains couvercles aient des trous, du coup ils vont les boucher avec des bouts de métal pour pouvoir les vendre. Voici le résultat d'une marmite qui a été limée à l'intérieur comme à l'extérieur. Les marmites de cette taille coûtent 3000 francs CFA. Hors des marmites, nous faisons aussi beaucoup de choses. Nous faisons des pièces, des voitures, des poulies, même dans le mur de flèches que vous voyez là. C'est nous qui fabriquons des poils, c'est comme ça. C'est un bon métier. Si je prends ça en considération, si j'ai bien des choses, moi à travers de ça, j'ai payé 4 parcelles, j'ai construit le train, je ne l'ai pas juste moi-même à base de ça. C'est rentable, mais moi je peux payer
soit l'aluminium de 5000. L'aluminium de 5000 là, moi je fais deux marmites de 25 000. Malgré actuellement c'est l'aluminium qui devient difficile. Si tu ne gères pas vraiment les choses, tu n'auras rien. Merci de nous avoir reçus. À la prochaine, on s'appelle. À la prochaine. Bye. Vous avez vu comment on fait les marmites au Congo. J'espère que ce vlog vous a plu. Si il vous a plu, mettez un énorme like et abonnez-vous à ma chaîne. Et pour ma part, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye Moninga.